We started to prepare this conference with trade unions mainly from Germany, the NGG and the FNAF CGT from France, and some comrades from a plant of Coca-Cola in Madrid. The main goal was to give the space from different unions and international organizations to gather together, to have an exchange, to discuss which are the problems in their own country or region. Test, test. 1, 2, 3, ça va? Ça va? Vous m'écoutez? And to discuss also which could be possible step forward. Toutes les langues, c'est bon. Je voudrais vous saluer au nom de notre Fédération nationale agroalimentaire. And on behalf of the CGT to welcome you to France und and to ich wünsche euch, dass diese Konferenz für alle Teilnehmer La décision de réaliser cette conférence syndicale unitaire est l'expression à la fois des circonstances dont les syndicalistes, les progressistes et les militants savent tirer profit et de l'importance symbolique de ce mastodonte du capitalisme, cette vitrine d'un système en crise que les travailleurs du groupe et les peuples subissent chaque jour. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Konferenz ist historisch. Sie ist wichtig und was dabei herauskommt, ist völlig offen. Die Konferenz ist historisch. Sie ist in dieser Form einmalig und auch in anderer Form eine Zusammenkunft dieser Art schon lange her. Vielleicht wird dies der Beginn sein, diese Konferenz hier in Paris, von der wir in einigen Jahren sagen werden, hier hat eine engere Zusammenarbeit, eine Vernetzung, ein Austausch unserer Kämpfe, unserer Interessen und unserer gewerkschaftlichen Bemühungen stattgefunden. Das wäre unser Wunsch. Die transnationale Organisierung der Beschäftigten im Coca-Cola-Konzern ist ein exemplarischer, ein beispielhafter politischer Prozess. Und diese Konferenz, das hoffen wir, wird eine wichtige Etappe sein, um diesen transnationalen Organisierungsprozess weiterzuführen, zu vertiefen, zu intensivieren und zu verbreitern. Wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung sind stolz, Teil dieses wichtigen Organisierungsprozesses zu sein. Decir que los representantes sindicales estamos para trabajar por el futuro de los trabajadores. Y siempre por el mantenimiento del empleo y de nuestros derechos conseguidos en años de lucha sindical. Nosotros, tras 5 años de lucha que hemos estado, hemos logrado vencer al icono del capitalismo gracias a la lucha y sobre todo a la organización y la solidaridad internacional. Queremos decir también que creemos que uno de los motivos de esta conferencia es cómo articular todas estas fuerzas sindicales que están aquí a día de hoy en una lucha contra los derechos laborales, los derechos humanos y en la protección del medio ambiente. En tiempos de globalización, los trabajadores multinacionales solo tienen un camino de combate y ese es la unidad y el internacionalismo. Porque solo así podremos defendernos de los grupos laborales con marco jurídico internacional. Queremos resaltar que cualquier ataque de la multinacional a los trabajadores en cualquier parte del mundo es un ataque a cualquiera de los que estamos aquí y debemos unificar esa lucha y contrarrestar esos ataques.
Gracias. Solidarity certainly means not leaving alone our brothers and sisters in the fight at national level. But even more important, solidarity means acting together in a strategic and smart way instead in the interest of the people that we represent. Instead of building strong societies, politicians have cut taxes for the wealthy, making the rich even richer, and all others are being left behind. Un dirigeant a dit à jour, nous voulons faire une réussite de cette fermeture de site, car ils ont espoir de mettre tous les salariés à l'usine. Mais comment peut-on réussir une fermeture de site quand des salariés ont ouvert ce site ensemble depuis 17 ans, ont travaillé ensemble depuis 17 ans, et en sachant que tout le monde ne restera pas chez Coca-Cola et risque de finir dans le besoin? L'inquiétude grandit encore plus pour la France quand on voit qu'en ce moment, le Pays-Bas externalise le service technique. Pour nos collègues techniciens, effectif actuel 150 salariés, leur ambition est d'arrêter les activités facturables en fin 2020, ce qui entraînera dans certains territoires une baisse d'effectifs. La CGT restera vigilante et fera en sorte de freiner ce rouleau compresseur qui détruit les salariés un par un. Nous devons connaître ce qui se passe dans chaque pays, car dernièrement, l'externalisation du service technique aux Pays-Bas, personne n'a été informé. Et je pense que Coca-Cola veut faire un maximum de rétention d'informations pour mener à bien ses projets. Une grande ville comme Hamburg, qui est là, abzubauen. Muss man sich mal vorstellen, das ist, man denkt immer, Deutschland, da passiert sowas, nicht? Doch, da. Das passiert auch bei uns. Und wir kämpfen jeden Tag dafür, dass wir das verhindern können, weil der Mitarbeiter ja selber auch nicht mehr so viel machen muss. Das sind natürlich Dinge, mit denen wir uns ja vorher nie beschäftigen mussten. En lo laboral, nuestra región sigue las persecuciones y los asesinatos a nuestros dirigentes sindicales y sociales. La cifra se multiplica cada segundo y la impunidad reina por los países latinoamericanos. Nuestra región sigue siendo la más peligrosa del mundo, pues la cantidad de sindicalistas que perdieron la vida es el doble de la cifra registrada en cualquier otro continente. En tanto que el 70% de las personas arrestadas en el mundo, Coca-Cola, Nestlé y otras firmas, se han adueñado de la totalidad de las producciones de alimentos y hoy se incrementa sus dividendos, sobre todo inyectando tecnología de última generación, sin un equilibrio justo y despidiendo a trabajadores masivamente, además de utilizar la tercerización como método de flotación sin acciones concretas de los gobiernos. Avec de bas salaires, des conditions de travail difficiles, les salariés Coca-Cola au Sénégal peinent à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, face aux nouvelles stratégies patronales, à leur organisation, l'internationalisation des luttes devient une priorité. Construisons un tous ensemble fort pour notre progrès social. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, car il faut lutter ou périr. Soyons unis pour imposer un rapport de force capable de faire avancer nos revendications. Nous travaillons à parfaite harmonie avec l'USTAC, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, de la Fédération syndicale mondiale. Et pour terminer, chers camarades, contre le capitalisme debout, tous ensemble, pour la satisfaction de nos revendications, unis nous vivrons, nous vaincrons, la lutte continue et que vive la solidarité internationale. L'empresa Coca-Cola en Chile tiene dos embotelladoras que se reparten el país y ejercen una estrategia de fragmentación a través de múltiples personalidades jurídicas. Coca-Cola, en cuanto a las plantas de embotellamiento, tiene sus trabajadores directamente contratados. Pero todo lo que se refiere a la logística está 100%
externalizado. Y ahí las cadenas de subcontratos son muy sofisticadas, al punto de que los contratistas tienen subcontratistas y esos subcontratistas tienen subcontratistas. Como consecuencia, los trabajadores deben vivir con deudas, lo cual obviamente tiene unas consecuencias sociales en cuanto a la participación política, y muchos trabajadores también temen ir a huelga, producto de que si lo hacen van a perder el soporte económico mínimo que necesitan para pagar esas deudas. Even the management in Haiti publicly stated that they would destroy this newly formed union, and that's what they did in a very short period of time by dismissing unions' leadership and then by doing big restructuring. What's happening in the USA? The Coca-Cola Bottling Company of Northern England hired an expensive consultancy firm. These are called actually union-busting firms, law firms, that openly boasts that it helps companies remain union-free, keep on fighting. Unless we fight, we won't win. Organize, fight, and win. Au titre très évocateur, Coca-Cola en lutte. Le capital est mondialisé, ça a été dit depuis maintenant quelques interventions. Il s'active sur toute la planète et partout, il cherche à maximiser les profits faisant des choix politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui remettent en cause les droits des travailleurs et les libertés fondamentales. Les intérêts des 1% des personnes les plus riches et des entreprises sont placés au-dessus de ceux des travailleurs. La mondialisation a entraîné une uniformisation des politiques et des problématiques sont aujourd'hui quasiment identiques pour tous les travailleurs et les citoyens de la planète. L'augmentation des inégalités témoigne d'une captation de la richesse créée par le travail en faveur d'une minorité détentrice du capital. L'uniformisation des problématiques doit nous permettre de construire des stratégies et des revendications dépassant nos cadres nationaux dans une dimension et une perspective réellement internationaliste. Il existe une réelle prise en compte que le terrain national seul n'est pas suffisant à l'émergence d'un rapport de force nécessaire pour la remise en cause d'un capitalisme mondialisé. Les entreprises multinationales se fixent sur un territoire en fonction des profits qu'elles vont pouvoir générer, d'où la recherche incessante des bas coûts sur les matières premières et la main-d'œuvre. What we achieved was at the end to have a pretty huge gathering of more than 100 persons coming from 25 different countries and 4 continents. It means that we were able to cover a big part of the territory where Coca-Cola is active. But more interesting for us is to see how the workers' movement, the trade unions, are responding and organizing to face the threat that Coca-Cola is posing to them, and trying to see which are the ways to resist and organize labor power. It was, as we were more or less expecting, pretty clear that Coca-Cola Company is following more or less everywhere the same strategy of precarization of workers and imposition of worse working conditions to newcomers. And everywhere the consciousness about the huge exploitation of the environment that the company is pushing forward, the awareness of the workers about this topic is growing. They see a huge potential to organize alliances with other groups besides the unions and worker representatives. It is a priority to try to connect back all the people to realize that they are in unity, and only in this unity they can be strong.